cet atelier, c'était Balthus a resté ses derniers jours, dernier moment de sa vie ici. Et comme c'est pour moi, c'est encore souffre de Balthus, est bien contenu dans cet endroit. C'est la raison que je fais des nettoyages très peu. Et l'autre jour, j'ai dit que rien n'est changé, mais tous les détails sont un peu changés, mais pratiquement, c'était la même chose. Que c'est pour cette raison-là que, comme je ne veux rien bouge ni ça s'en va, je fais tout pour la fondation. Alors, que ça reste, c'est possible, plus long possible, comme atelier de Balthus. Et c'est l'endroit que la veille de son mort, qui est venu ici, on a dû passer 3 heures ici. Et pour le moment, c'est l'endroit plus émouvant. Alors, je vous garde comme c'est. Je crois que c'est cette atmosphère-là qu'il a voulu savourer le dernier moment de sa vie. Que ces peintures, pinceaux, et cette lumière, qu'il ne voyait pas bien à la fin, mais il a voulu absolument passer ici à la fin de sa vie. Et le lendemain, il est décédé après. Il est rentré au Grand Charret, et il est tombé dans le coma. Alors pratiquement, ce dernier moment qu'il était conscient, c'est cet endroit.